Je suis Nathalie, je travaille à la direction marketing de Cofidis France et je suis en charge du service de développement des produits d'assurance et de la diversification. On construit de beaux produits d'assurance pour nos clients et moi j'y travaille depuis 2005. Nous construisons des offres pour nos clients directement en B2C, mais également pour nos partenaires en B2B. Donc, lorsque nous construisons des offres en B2C, il s'agit principalement de produits emprunteurs, d'assurance des emprunteurs. Nous allons donc prendre en charge la mensualité du client, par exemple, lorsqu'il fait face à des accidents de la vie, comme la maladie, la perte d'emploi. Mais aussi, nous travaillons sur des produits de prévoyance qui vont en complément verser des revenus ou proposer des services très qualitatifs à nos clients, de la même façon en cas de maladie, par exemple. On va vraiment accompagner nos clients grâce à nos offres en construction. Pour le B2B, le sujet est un peu différent. Là, il s'agit vraiment de sécuriser des biens sur un lieu de vente. Donc, nous assurons des biens de consommation principalement sur des marchés très variés, comme l'automobile ou les véhicules de loisirs. Donc, nous accompagnons la stratégie donc, de diversification de Cofidis à travers des produits d'assurance et des services hein, dédiés à nos clients. Donc, pour réaliser cela, l'équipe bénéficie d'une grande autonomie parce qu'elle travaille sur des marchés très différents, hein, que ce soit du B2B, sur des marchés comme le loisir, l'automobile, mais également pour nos clients issus du direct, nos clients fidèles. Donc, beaucoup d'autonomie, mais également au-delà des offres, l'équipe va travailler sur des processus de distribution. Par exemple, essayer de renforcer le digital hein, dans tous nos process ou d'accompagner les forces de vente dans les magasins de nos partenaires. Elle va également travailler sur des thématiques liées à la data, puisque à travers ses produits d'assurance et ses services, nous captons de la donnée. L'idée, c'est d'optimiser l'utilisation de ces données, et en tout cas qu'elles nous permettent d'être plus pertinents dans les offres que nous allons proposer demain à nos clients.